Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans Spiritfarer. Alors, on avait amélioré notre bateau pour accéder à des zones auxquelles on n'avait pas accès auparavant. Et on va aller voir ça tout de suite en jeu. Alors, du coup, on va tout de suite choisir une destination sur la carte. Donc, Southpont. On en vient et on sait qu'il y a des zones qu'on n'a pas encore accès. On va aller à Hall Central District. Il me semble qu'on a une petite quête à y faire. Et on pourra peut-être aussi trouver du pulsar par là. Mais on verra ça tout à l'heure. Alors, j'ai regardé un peu et je sais pas ce qu'il faut pour le repas de certaines personnes, sachant que j'avais un repas en cours, une recette en cours de préparation et que elle s'est finie. Gustave veut nous parler. Je n'aime pas ça. Alors je sais pas ce qu'il aime pas, mais il aime pas. Peut-être bien justement le temps qu'il faisait. On arrose un peu. On va pouvoir aller voir nos deux nouveaux compagnons. J'ai une échelle de ce côté-là. Il s'envole à ce moment-là. Tu dois nous montrer de quel bois tu te chauffes. Tu dois combattre des rayons pulsars. Ouais. Bonne idée, Mickey. Il veut te voir en pleine bataille. Il devrait y en avoir près d'ici. Organise-toi pour que ça arrive. Ok, bah parfait. On sait que ça va être eux qui vont nous permettre de récolter le pulsar. Ça tombe bien, on a vu sur la carte qu'il y en avait juste à côté. Donc on va pouvoir gérer ça. Je vais juste chercher ma farine. De la farine de riz, c'est parfait. Et on va juste mettre de la farine. J'ai vraiment faim, tu sais. Il a vraiment faim. Donc on a fait de la tartelette aux poires. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. En off, la tartelette aux poires, c'est fini. Avec nos poires qu'on avait en cours. De la bisque. Oui, alors il nous parle de sa trattoria. Il est content. On va pouvoir lui faire un câlin. L'objectif étant que à chaque fois, il soit le plus content possible pour qu'il nous aide au maximum. Hein. Qu'il aille pêcher, qu'il nous fasse à manger, qu'il fasse les choses selon leur attribution. Donc Giovanni, lui, c'est nous refourguer des bijoux qu'il a chouré on ne sait où. Mais voilà. Alors, ah oui, chérie, où est cet homme? Tu es le livreur? Non. Tu es seulement un paparazzi quelconque qui veut mon autographe? Non. Alors, qui peux-tu bien être? Ah, on a trouvé, dès le début, la personne qu'on voulait pour le film. Larry Stalbert, un nouveau suspense. Oh mon dieu, quelles sont les chances? Je pensais justement à lui l'autre jour. Chérie, as-tu entendu ça? Il est où, lui? Il était ici il y a une seconde. Bon, si c'est pour Larry, je vais le faire sans hésiter. Il demande que je sois dans le film, n'est-ce pas? Oh bah oui. Tu ne le regretteras pas. Je vais donner le meilleur de moi-même. Une bonne nouvelle, le jour de mon déménagement. Je devrais déménager plus souvent.
J'habite dans le bâtiment juste là. C'est assez luxueux. Tu fais probablement déjà deviner à cause de ma coupe de cheveux. Ce n'est pas un brushing à 5 sous. Je la fais faire dans un salon de renommée mondiale. C'est assez dispendieux. J'ai voyagé autour du globe pour avoir des coupes extraordinaires. Elles ont toutes valu la peine. C'est dire à quel point j'aime mes précieux cheveux. C'est dommage parce que on les voit pas tes cheveux, mon gars. J'ai l'impression de laguer un petit peu. Il y a ce café tout près d'ici. Je ne peux plus y entrer. J'ai trop honte d'y retourner. J'ai volé la clé des toilettes. Et quand je dis voler, c'est voler. Je l'ai prise par exprès. Je voulais pas que l'homme assis à côté de moi utilise la salle de bain. Il mastiquait ses nourritures et buvait son café trop fort. J'imagine que je vais devoir trouver un autre café. Tu ne donnes pas la clé du coup? Quel dommage. Je regarde toujours les gens droit dans les yeux. C'est comme ça que je peux voir s'ils sont honnêtes. Ça a toujours été le secret de mon succès. Regardez les gens dans les yeux. C'est la fenêtre sur l'âme de quelqu'un. C'est ça, si tu le veux. Ok. Ici, c'est la fin. Donc on peut éventuellement grimper. Là. Et peut-être... Non, pas choper ça. Là, on peut choper ça. Alors, est-ce que je peux choper cette fenêtre? Ça me paraît compliqué de choper le ventilo. Pourtant, ça a l'air d'être l'idée. Voilà. Je peux monter jusqu'où? Ah, je peux mettre un petit rebord. Rebord là, sauf que je l'ai pas eu, bien évidemment. C'est pas grave. On explore. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vois pas de rebord. Je vois pas d'astuce. Effectivement, ici c'est ouvert. Donc, je peux monter. Je peux parler à cette personne. Je garde la maison de mon idiot de patron. Est une assistante, c'est une vraie galère. Je sais, je sais. Je ne devrais pas me plaindre. Je demeure dans son manoir. Et en plus, je peux chier dans leur salle de bain. Les sièges sont si chauds. Je pourrais y passer la journée. Merci, machine. Alors, on a une autre échelle. Ça aurait été dommage de passer à côté de ça. Et on va devoir refaire preuve d'ingéniosité. On prend un peu d'élan, on saute et je ne vois pas comment... Ah, si. Ah non, ça me permet que d'avoir cet élan là. Et là, j'ai pas assez d'élan pour aller là. Parce que forcément, en sautant, je descends. Ah, quelle est l'astuce? Quelle est l'astuce? Ah oui, sinon je peux pas. Bah c'est pas grave. L'astuce c'est peut-être avec les bâtiments d'à côté. Ici on a l'air de pouvoir faire des choses. Voilà. On obtient une recette de frites et un permis bovin. C'est plutôt cool. Du coup, j'ai loupé des choses, hein. Je suis tombée. Quoi, on va devoir s'amuser à sauter pour tout ça. On avait seulement ça à faire à Oxbury.
n'est pas à Hawksbury. Ok, donc c'est juste... Oui, si tu pouvais... Non, s'il te plaît. J'ai pas. Hop. Ça me permet. Oui, il faut vraiment prendre l'élan comme il vient. Mais du coup. Non, il me manque un tout petit peu de longueur, un tout petit peu d'allonge. Ça s'allume là aussi, c'est intéressant. C'est-à-dire que tout ça, c'est la même pièce. Je peux pourtant pas sortir. C'est la même pièce où je vois que là-bas aussi c'est éclairé. Ça voudrait dire que je peux effectivement y accéder. Non, je ralentis toujours quand je fais mon saut comme ça. On va pas y passer 107 ans, hein. Mais j'aurais bien aimé rejoindre nos amis sur le toit. Voir un peu ce qu'on a. Ici, je peux grimper visiblement. Donc d'ici, on peut aller là. Et on n'a pas encore le pouvoir pour aller là. Utiliser ces trucs-là. Ouais, il va falloir que je trouve le sanctuaire, à mon avis. Une fois qu'on aura ce sanctuaire-là, on ira peut-être mieux. Ce que je vois, ce que je peux faire également, c'est peut-être... Non, je sais pas là. J'ai pas la hauteur pour aller jusqu'en haut. Donc non, il va vraiment falloir qu'on trouve ce sanctuaire, je pense. Mais c'est pas grave, on a fait ce qu'on voulait faire. On a chopé quelques trésors en passant. Déjà, ça permet de découvrir un peu tout ça. Découvrir un peu la zone. Donc on a un dragon d'argent. On a des caisses, on a de la pluie de comètes. Nous, on voulait aller faire du pulsar. On va aller au pulsar. Et on ira faire les comètes et le reste après. On a un courrier, une lettre de Peverly et un colis. On a notre repas qui est prêt. Voilà, soupe aux nouilles. Tout cela est fort agréable. Gamine, je mentis pas de nourriture. Garde ça en tête. Alors je veux bien garder ça en tête. Et tu as faim. Alors, je le sais, ils ont une spécialité, donc on peut débloquer les choses qu'ils aiment pas. Et laisse-moi te dire quelque chose. Cette merde est bien trop simple. Un seul foutu ingrédient. Mais tu penses qu'on est qui? Des stupides paysans? Des cons qui n'ont pas de vie? Mon frère, ici, a des standards. On n'acceptera pas cette cochonnerie. Voilà. Donc déjà, ils n'aiment pas ce genre de choses. Et je me souviens pas ce qu'ils aiment d'autre. Ce qu'ils aiment pas d'autre, du coup. Bouffe gratuite. Enfin.
Et est-ce qu'on peut leur faire un câlin? Parce qu'ils avaient pas l'air super contents. Ça va quand même mieux. Donc, la nuit est tombée, visiblement. Et effectivement, on n'a pas nourri tout le monde. On va regarder un peu c'est quoi notre colis Bouforama. Maintenant que Madison est partie, on va voir un peu ce qu'on peut avoir comme surprise. Je continue à planter du tournesol. Ça nous sera bien utile. On a un petit peu de farine. Mais comment du coup ici? 2 sur 5. Oui, je vais en mettre. La farine de riz, la farine de maïs. Tout le monde dort, c'est pas grave. On va gérer un petit peu tout ça, nettoyer notre bateau. Allez, prends-moi ces foutues palourdes. Merci. Palourdes américaines. Et tes coquilles vides. Parfait. Bon, pendant que tout le monde dort, on va regarder un peu ce qu'on peut faire. Donc, niveau des améliorations, la planche de frein, les lingots de zinc, la planche de comète, on va y arriver, hein, doucement. On est dans les zones qui vont nous en donner. C'est ça, doucement, doucement, on va pouvoir débloquer ces choses-là. On a de nouveau du grain. C'est parfait. Alors, regardons un peu notre inventaire. D'abord, le colis de Bouforama. Chère cliente, voici votre colis. Signé employé de Bouforama. Alors j'ai pas vu ce qu'il y avait dedans, j'ai une vague idée de ce qu'il y avait dedans. Vous l'avez vu. On va aller voir ça tout de suite. Même pas. Ah bah j'ai juste pas vu ce qu'on a débloqué, ce qu'il y avait dedans. Tristesse. Bah vous me direz dans les commentaires. Tiens, j'ai une autre bouteille à ouvrir. En tout cas, normalement, au fur et à mesure du temps... Ah, peut-être la graine de canne à sucre, voilà. La graine de canne à sucre, et pas les poissons du coup. Donc juste une graine de canne à sucre. Non, ça me paraît un peu peu, je l'avais peut-être déjà, hein, je valide pas tout le temps tout. On verra. En tout cas, j'ai une graine de canne à sucre à planter éventuellement. Et on a une lettre de Péverny. Et normalement, vous vous souvenez que la mise à jour qu'il y a eu, eh bien, il y a maintenant quelques semaines, s'appelle la Péverny Update. Donc on va lire cette lettre de Beverly. Bonjour petit poussin. Quand tu en auras la chance, peux-tu passer à mon appartement d'Oxbury? J'ai quelques questions à te poser. Signé Bev. Eh ben, ça tombe bien, c'est par là qu'on va aller.
on nourrit notre mouton. En tout cas, dans notre colis Bouforma, ce qui est sûr que je n'ai pas vu passer, c'est une recette. Ce qui veut dire que si on a eu des ingrédients, on n'a pas eu de recette qui va avec. J'arrive. Mickey. Mickey et Buck. J'arrive. Es-tu prête pour une vraie bagarre? Ils vont arriver de tous les côtés. Lance-toi très tête première dans le jeu. Ne fais pas dans ton pantalon. Charge-les. Ne sois pas une lâche. Ah oui. Non, je l'ai pas. Il faut faire quoi? Ok, faut que je... Je vais rester en dessous, je vais rester en bas. Je peux peut-être mes bâtiments, c'est pas grave. Je pense pas. Loupé. Genre, il a essayé de me dévier. Je sais pas. C'est tout nul, ça, Chobiti. Ok, il y en a aussi dans ce sens-là. Ah oui, c'est perturbant par rapport aux autres qu'on a pu avoir. Il va peut-être falloir qu'on réorganise notre bateau pour être un peu plus optimal sur ce genre de d'événements. Déjà que je suis pas forcément très doué. Effectivement, se rajouter une petite tyrolienne ou mettre le souffleur un peu mieux, ça pourrait être une idée plus qu'intéressante. Quelle excitation! As-tu vu ça, Mickey? Tu as botté tout hein, derrière là-bas. Tu sais quoi? Il a enfin trouvé un bon surnom pour toi. Alors, on te fait une promotion. Tu passes de gamine à scout. Aimes-tu ça? Mais bien sûr que oui. Qui n'aime pas ça, Scout? Personne, voilà. Ça ne veut pas dire que tu peux te reposer. Tu es encore en dessous dans la hiérarchie de la vie. Dégage maintenant. On a des choses à faire. Ça nous avance un petit peu notre relation avec eux. Même si ils sont un peu particuliers. Et du coup, on va pouvoir faire du pulsar. Je pense pas en avoir attrapé beaucoup. Et ce qu'on va faire également, c'est choisir une destination. Parce que je suis en train d'arroser mon jardin. Alors. Il fait pas du tout nuit. Certes, il fait sombre, mais il ne fait pas nuit. Et on a dit, du coup, qu'on pouvait aller à Hawkesbury. Qui est là. Donc, je passerai bien par ici. Voir un peu aussi la pluie de comète. Du coup... Voilà, on a du pulsar. On en a 11. C'est pas mal. Ça va nous permettre déjà de faire des choses... Ils ont déjà de nouveau quelque chose à nous dire. Et du coup, j'ai de la canne à sucre à planter.
Scout, viens te promener avec nous. On va où? Oui, alors, par contre, vous pouvez voler, vous. Astrid, fin. Ce qui est logique, hein. D'accord. Qu'est-ce que tu vois ici? Rien. Tu n'as rien sur ce bateau. Ça rend Mickey malade. Il faut que tu redonnes la forme à ton bateau, t'entends? Construisons quelque chose qui laissera vraiment sa marque sur ce bateau. Comment? Bonne idée, Mickey. Tu as besoin d'un concasseur. Il faut que tu réduises la roche au néant. Ouais. T'inquiète pas. Même une débutante comme toi peut le faire. Go! Qu'est-ce que tu attends? Et... on arrive déjà au niveau des caisses. Qui vont nous donner des matériaux de la zone. Hein, donc on va avoir... ouais, à mon avis, la graine de canne à sucre, je l'ai eu comme ça. Je sais que j'en ai fait une ou deux en off. Les caisses... et on va pouvoir nourrir nos gens, parce que nos gens ont faim. Alors, notre cher Giovanni. Bon, je vais lui donner un café, parce que on sait que le café ça va. Je vais lui faire un câlin, parce que effectivement, on voit dans les modificateurs d'humeur. Il se fait intimider par Mickey, donc forcément ils vont être un peu compliqués. Je t'ai pas donné à manger. Donc je te donne tes plats préférés. Je te fais un câlin également. On va essayer de trouver Astrid. Astrid. Allez. Et Astrid, on va lui donner ce qu'on a fait tout à l'heure, la soupe de nouilles. Écoute Stella, tu ne m'entendras pas dire ça souvent, mais tu as fait quelque chose de magnifique, tout simplement incroyable. Je suis si fière de toi. Je me demande même s'il me reste quelque chose à t'enseigner. Cette soupe aux nouilles, c'est mon plat favori. Félicitations! Et on peut leur faire un câlin également. C'était un bon câlin! Alors, je n'ai pas l'impression qu'on ait la personne pour lancer les ventes. Te donner des ordres m'a rappelé le jour où moi-même je recevais des ordres. Je sais, moi, si tu arrives à le croire, ça me rappelle mon ancien boulot. Mon frère n'aime pas trop que j'en parle. Nous étions les hommes de main de Monsieur Carmino. On exécutait tous ses ordres. Toute demande était remplie. Et nous étions efficaces. On faisait toujours le travail. Personne ne pouvait nous arrêter. Pas même la police. Si tu joues bien tes cartes, tu pourrais même te rendre à notre niveau très bientôt. J'ai l'impression qu'on n'avance pas, donc effectivement, pour l'instant, on doit pas avoir la personne qu'il nous faut pour faire les ventes des comètes. On va tout simplement finir le trajet jusqu'à Hawkesbury. Et je pense qu'on s'arrêtera là. Faut que je fasse de la cuisine raffinée aussi pour Giovanni. Fabuleux!
Je peux pas le croire, c'est formidable. Trésor, vous m'ouvrez grand tes yeux, c'est une pluie de comètes. Mais tu pouvais pas me le dire il y a 5 minutes que c'était une pluie de comètes. Oui, évidemment, tu peux perdre un membre ou deux, mais qu'est-ce qu'une plaie en plein visage devant une telle splendeur? Qu'est-ce que la douleur physique quand tu peux vivre l'aventure de ta vie? En plus, tu pourrais même récupérer quelques roches de comètes. C'était pas miraculeux, ça? Alors, qu'en dis-tu, Bambina? Ne t'inquiète pas, je vais te surveiller d'un peu plus loin. On n'est jamais trop prudent. Ah ah, amuse-toi. Ah si, voilà. Alors, j'imagine que c'est le même principe que d'habitude. Ouh, c'est le même principe que d'habitude, sauf que ça fait des petits... des arcs-en-ciel partout. Ça fait un peu trembler notre bateau. Ça, c'est un détail. Bon, c'est plus simple parce qu'on peut les ramasser quand elles sont par terre, même si elles tombent derrière et qu'elles disparaissent. Ouh, on a récupéré un petit paquet, je pense. Ah, seulement 8. Je pensais qu'on en aurait récupéré un peu plus. Et on a de la graine d'olive. Ah, on va pouvoir planter de l'olive dans notre verger. Bon, bon. Comme tu étais bonne, Trésor. Je sais que ça peut paraître stupide, mais j'ai toujours aimé les situations délicates. Les éclairs, les sons, l'excitation. Tu dois l'admettre, ça c'est cool, non? Parcours. Courir partout et ne pas savoir si tu respireras encore d'une minute à l'autre. Ah ah, tu, là tu parles, Bambine. Je savais que tu avais ça en toi. Tu as ça dans le sang. Je t'aime tellement que je pourrais te manger tout rond. File maintenant, petite coquine. Ah ah. Donc, on va planter des olives dans notre verger. Pourra nous donner de l'huile d'olive. Et on arrive à Oxbury, mais on verra ça lors du prochain épisode, puisque celui-ci est déjà bien assez long. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et un petit pouce, et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye.